1492 en Espagne. Christophe Colomb s'embarque pour son voyage vers les Indes et découvre l'Amérique. La même année, Grenade, le dernier royaume des musulmans d'Espagne, est reconquis par les rois catholiques Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. Dès lors, les musulmans, repoussés vers l'Afrique du Nord, vont pour certains grossir les rangs des pirates de la côte barbaresque. Cette côte, où il est facile d'écouler les cargaisons et de vendre les prisonniers comme esclaves, attire tous les mauvais garçons de la Méditerranée, et parmi eux, les frères les plus célèbres de la piraterie, les Barberousses. Une galère aux couleurs du pape ! Que la paix soit avec toi, Baba Rouge. C'est une galère du pape. Une galère du pape ? Une seconde galère du pape ! Que ta maison prospère, Baba Rouge. Il y en a une seconde ! Ah, il y en a deux. Deux galères en convoi. Le butin doit être fameux. La brume se lève. Je ne vois plus qu'une seule des deux galères. Que Dieu te bénisse, Baba Rouge. La brume se lève. Il ne voit plus qu'une seule des... Ah, j'entends ! Je suis boiteux, mais je ne suis pas sourd ! Virez de bord ! À l'attaque ! Suce aux infidèles ! Que Dieu ravage leur pays tout entier ! Oui, jeune homme. Je t'écoute. Oh, le souvenir parfumé de mon cher frère Kereldine qui bégaye depuis qu'il est tout enfant. Alors, ta couche ? Barbarossa ! Barberousse. C'est un bon surnom pour un corsaire barbaresque. Et toi, douce image de ce frère si cher à la prunelle de mes yeux, tu feras partie de mon équipage. Remercie Allah et Mahomet son prophète. Tu aurais pu avoir la tête tranchée ou finir comme esclave. Nous avons gagné, Baba Haroudj. Il faut fuir maintenant. Non ! Mettez notre galiote en remorque. Cachez ces chrétiens dans la cale et enfilez leurs habits. Nous enlèverons la seconde galère du pape par la ruse. Ah mais ça pue ! Ils ne se lavent jamais, ces chiens d'infidèles ! Alors, vous les avez eus, ces barbares ? Bienvenue à Alger, Baba Rouge, et que la paix soit avec toi. Je suis heureux de ta présence. La gloire t'accompagne depuis que tu as capturé les deux galères du pape. Mais qu'attends-tu, Salem, pour attaquer les Espagnols ? Ils contrôlent l'entrée du port, et nos navires ne peuvent plus accoster ici pour écouler leur butin. Je le sais, Baba Rouge, mais que valent les pauvres flèches de mes Arabes contre les canons des Espagnols ? Le lâche ne peut que propager la lâcheté, Salem. Ah, nous comptons sur ton audace et ton habileté pour nous commander dans cette attaque. Je vais prendre la forteresse, Salem, mais je prendrai aussi ta place. Je serai le nouveau cheikh d'Alger et le nouvel époux de ta femme. Les Algérois se soumettront à Rouge, mais ma douce Zafira préférera mourir plutôt que d'épouser un assassin. En effet, Zafira se refusa à Rouge. Il en conçut un tel dépit qu'il repartit en guerre contre les Espagnols et fut tué au combat. Kereldine, le jeune frère Beg, hérita du surnom de Barberousse et des domaines de son frère Haroudj. Le nom de Barberousse continue de résonner dans toutes les mémoires. Féroce pirate pour les uns, corsaire héroïque pour les autres.